On a plutôt réforme électorale qui est Premier ministre est venu avec un white paper. Est-ce qu'il y a encore white? Joli. Qu'est-ce que ça? Je vais vous dire une affaire en toute sincérité. Nous sommes fatigués dans la réforme électorale. Fatigués. Tout le monde est fatigué. Comme les journalistes, nous sommes fatigués d'écrire. Tout cas d'expérience. Dans la planète qui appelle la Terre, ce gouvernement-là, il nous consultait tout cas d'expérience. Expérience bon tout. Mais on peut consulter en propriété. Et chaque fois, je trouve une nouvelle proposition. Chaque fois, je dis sa question de réforme électorale, version Navin Ramboulam, il y a l'infini. Il y a l'infini. Pas pour un point que je peux dire à l'aïla, à la proposition. D'ailleurs, je ne peux pas croire un point. Parce que le Premier ministre qui peut venir, Astère, il peut circuler un white paper. Nous attendons ça hein, dans le passé. Pas nouveau. Mais qui fait nous besoin de croire à Astère là quand il n'est pas fait dans le passé? Qui fait le pouvoir de faire Astère? Ça, c'est un. Mais white paper, ce n'est pas white paper qui nous besoin. Parce qu'il nous finit trop beaucoup de paper. Tout quand il était paper, il n'est pas. Là, ce qui nous besoin, un draft bill. Un draft bill qui circule publiquement. Côte bien sûr, les partis politiques. Que ce soit les partis politiques à l'Assemblée, ou que ce soit les partis politiques qui partent représentés à l'Assemblée, y compris le peuple, chacun pour libre pour donner son opinion, law and draft bill qui circule. Et là, après bien sûr un certain temps, vous pouvez mettre un time frame, parce qu'il dit, vous connaissez, ça va être là, pas capable et discuter à l'infini, vous pouvez mettre un time frame. Et là, après ce time frame là, le Premier ministre vient venir soit lire ou maintenir ce qu'il mettait dans ce draft bill, soit s'il y pensait besoin de modifier, il modifiait, et là présente ça à l'Assemblée nationale pour débat et pour être voté. Alors moi, je vous dis, nous pas pour faire comique, nous pas dans une comédie à la Louis de Funès. Et nous, nous parlons de mettre un guest appearance dans sa qualité comique là. Nous les trouvons le draft bill. Nous les trouvons le bill final assemblé. Et bien sûr, nous trouvons là, le parti. Nous pouvons prendre position le rôle là. Vous avez aperçu des propositions de Ramar Sitanen? Qui vous pensez de ce matin? Mais oui, comment on veut dire? Mais combien de propositions finies là? Toute qualité! Nous tournons le tour la Terre, nous pouvons tourner même. Hein? Nous pouvons dire un satellite qui peut tourner même, peut rotter, aller même. Mais satellite, vous contient? Vous connaissez quoi, Ivanzo? Satellite, vous désintégrer. Et qu'il y a une particule qui vous tombe dans la Terre. Pourquoi continuer comme ça? À cette, out of, c'est pas combien de réflexions qui finissent là, à cette nouveau. Ah, ben vous avez raison. Libon, vous posez la question là, parce que, guettez, pour moi, Maurice Allais, il a besoin de finir démissionner. Si c'est un pays, à nous dire, principe, le principe veut qu'il ait besoin de démissionner, mais cause comme chairperson de Mauritius Sports Authority, hein. Les citoyens step down. Les missionnaires veut dire vous voulez dire step down. L'enquête faire après là à la suite de l'enquête va arrêter, qui arrivait.
Mais quant à sa position comme président du PMSD, ça c'est le PMSD qui a décidé qui. Non, mais, qui... Dans l'île, ça peut être le PMSD là. Mais non plus, l'individu à ce poste, ça peut être l'île qui est là. Mais ça montrait manque de leadership. Un premier ministre, y'a où hein? Moi, quand je suis un mot pour Asie. Côté. Pas capable, Asie, il parle. Il peine à peine à leadership aujourd'hui dans le pays. Fait dire quand Paul écoute caisse de radiation de professeur George, les là qui Maurice Allais pour décider qui pour faire ou pas pour faire. Bon. Fini step down. Donc pensez à cause qui dit le PMLD ne prend les postes de travail sans otage, il réfléchit dans sa problème à l'état. Moi vous dire qui le premier ministre. Azodi, l'IPE n'a aucun sens de leadership dans lui. Pena. Parce que Pena question, lui-même, l'IPEDIA, Premier ministre, il n'est pas sujet à chantage, il n'est pas l'otage de personne. L'étudiant dit, quelque temps de cela, il n'est pas dire, si un ministre pas performe, on vous sanctionne l'autre. Tsunami. Hein? Tsunami. Tsunami. Tout ça causé, grand causé, une causé là. Mais nous ne connaissons pas combien de ministres ne peuvent pas performer dans ce gouvernement-là. Hein? À commencer par Mireille Martin. Mais pas naziste, Banouari. Béthiou. Tchouni, papa, déclare Zoro dans le Parlement, vous êtes là? Une catastrophe! Et combien, là? Mais quoi, tu es capable? Et papa, et en temps, nous sommes en train de remaniement, capable de remaniement. Parce qu'il dit, tu peux dire tsunami. Très bien. Mon coup, bien rappel, ce mot qu'il dit, c'est quand il dit tsunami, un journaliste pose la question, mais où peut dire ça aussi pour. Ça inclut aussi le ministre. Il s'y dit à ça. Mais côté Zodi. Et Maurice Allais, il n'est pas foutu d'y aller, mais step down, pending inquiry. Par contre, une sanction, moto une sanction, comment appeler ça? AML, monsieur Panzani. Donc, Panzani m'a trouvé une interview et peut dire qu'il est fausse. C'est qui le Premier ministre dit. Le Premier ministre dit soit il n'est pas à l'aéroport. Mais le conseil d'administration n'a pas besoin de l'aéroport. Right? Je n'ai pas besoin de lui. Moi, je peux défendre, moi. Hein? Je n'ai pas mal de choses à dire. Je peux simplement montrer que l'Ilipédia, le Premier ministre, c'est qu'il dit dans le Parlement, il est fausse. Mais où nous a trouvé ça? Un Premier ministre peut répondre à une question dans le Parlement. Il peut dire, ah, vous n'avez pas besoin de présider le conseil d'administration, et vous n'avez pas besoin de présider. Mais pas l'aéroport qui fait ça. Je peux dire, le Premier ministre peut dire, vous avez besoin de l'aéroport. L'aéroport, il y a l'aise pour l'avion, pour voyager. Sinon, on va voler pour tout l'un, il y a volé, il y a l'objet. Oui, non, c'est tout l'un. La police peut faire son enquête. Je ne vais pas aller faire aucun commentaire à ce stade, parce que l'enquête-là n'est pas encore complétée. Alors déjà, je ne vais pas aller à l'aventure, moi, pour dire quoi que ce soit, je vais laisser la police. Vous satisfaites de la manière la police. Non, je laisse la police faire son enquête. Après, là, moi, on va faire commentaire. La vérité. Il y a divers documents, semble-t-il. Nous, quand on connaît quel type de documents. Je veux dire, pour parler, si je veux dire quoi que ce soit, je veux parler cause préjudice à une enquête qui est en cours. Bien sûr, je veux causer la police. D'ailleurs, la police, il me fait une reconstitution des faits. Quand les ou là où les personnes qui supposaient une rentre contre moi, une mini, pour me donner mal indication, etc. D'après mon renseignement, c'est que la police dit, moi, il n'y a pas d'aveu. Donc, laisse-nous, bon, laisse la police faire son enquête, nous faire confiance à la police pour faire son enquête. Après nous, on va vous causer. Une question personnelle, vous avez un revolver, qui a un revolver? Qui?
Ou puis perdre un revolver parmi sa bande d'objets là. Oui, c'est pour quelle raison qu'il vous un revolver? Mais pour sécurité. Mais bien sûr, mon sentiment danger. Plus que jamais, mon sentiment danger. Pourquoi? Un Gundaraj pour un danger. Ouais. Un Gundaraj là.